arriverez par ici, il y a un lecteur optique qui prendra la photo de votre plaque, vous prendrez le ticket, vous rentrerez, et puis vous aurez 29 minutes et 59 secondes de gratuité. Et après la période de gratuité, il sera facturé 1 euro de l'heure au quart d'heure, donc 25 centimes le quart d'heure. Ensuite, il y aura un certain nombre d'abonnements. Monsieur le maire, juste deux mots. Un grand, le pari est gagné. C'était pas un pari, mais l'opération est à moitié finie, parce que là, on a fait un grand pas, c'est le parking, il reste la surface maintenant. Et, mais je crois, les gens, on attendra les impressions des muretins qui le visitent, mais je crois que beaucoup de choses se lisent dans les yeux et on voit qu'on a une belle réalisation. On a aussi l'impression que Muret vient de franchir un cap. On est devenu une grande ville grâce à cette réalisation. C'est pas que grâce à cette réalisation, mais c'est vrai que un équipement comme celui-ci et ce que l'on connaît dans les grandes villes, et Muret est aujourd'hui une grande ville. Ceux qui en doutaient certainement en seront confortés. Alors sans se presser, évidemment, faut jouir du moment maintenant, mais le dessus. Au-dessus, ça arrive. Donc les travaux, vous avez dit, ont démarré. Et on devrait livrer en fin d'année une belle place bien animée par une fontaine et avec un lieu rendu aux citoyens. Il se disait que le marché pourrait être délocalisé. On n'en sait rien encore. Rien n'est définitif. Pendant les travaux de la place de la République, c'est certain qu'il sera délocalisé. Après, nous verrons. Alors, Calderon, le parking, avenue des Pyrénées. Avenue des Pyrénées, et puis les autres. Et bientôt, le lancement de la salle événementielle. Un mandat bien rempli. Très occupé. Mais on prépare le suivant. Votre surnom de maire bâtisseur, vous l'assumez? Je l'assume complètement. Merci. Merci à vous.